Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Hi everybody, welcome back to my channel. Cette semaine, je vais vous montrer comment j'ai réalisé une décoration. Alors soit vous le mettez en chemin de table ou alors comme moi dans mon entrée. Une réalisation, donc une création à base de jacinthe. Je les ai trouvées en promotion dans mon magasin Gamme Vert. Elle commence un petit peu à manquer d'eau, je crois. Et j'avais utilisé des pommes de pin. Vous savez, là, il y a 15 jours, je vous avais fait une décoration à base de pommes de pin. Il m'en restait quelques-unes. Je me suis dit, pourquoi pas associer les deux. Je montrerai aussi une décoration que j'ai faite avec encore un peu de reste de pommes de pin. Et puis, quelques petites bricoles que j'avais sous la main pour réaliser encore un autre chemin de table. Allez, je vous montre ce que j'ai réalisé et comment je l'ai réalisé. J'ai récupéré la caissette en bois du pain de mie et un morceau de papier d'emballage que j'avais trouvé joli. Je l'ai collé tout autour de ma boîte, voilà, donc j'ai mis des épingles pour que la colle puisse tenir et j'ai camouflé donc toute cette partie extérieure de la caissette en bois. Je vais maintenant mettre une feuille d'aluminium dans le fond pour faire l'étanchéité. Voilà, une fois que c'est bien mis dedans, l'eau ne pourra pas couler sur le bois ou ne pourra pas passer sur le papier. Maintenant, je vais mettre dans le fond quelques gravillons que j'avais. Cela permettra aussi donc de bien drainer lorsque je vais mettre mes bulbes et ma terre. Le rempotage est terminé. Je vais maintenant placer mes pommes de pin tout autour des bulbes afin de cacher un petit peu la terre et puis les différentes parties là que l'on voit des petits germes qu'il y a tout autour. Quand c'est terminé, je me dis que pour que ça fasse un tout petit peu plus Noël, il serait bon d'y mettre un peu de brillant. Donc je vais mettre de la colle partout ici sur mes pommes de pin et une fois que ça sera terminé, je vais mettre du brillant. Et voilà, je l'ai choisi vert car c'est très joli. Pour la deuxième réalisation, j'ai pris mes pommes de pin, j'avais du polystyrène, du brillant et j'ai commencé à mettre des marrons, des glands, des petites choses que j'avais pour faire un chemin de table. Une fois collé l'ensemble, on peut le mettre sur le centre de la table. Et vous voyez, c'est une création qui ne revient pas très cher. J'ai acheté les sapins chez Action ainsi que les petites bougies et le papier autocollant doré, le ruban autocollant doré que l'on trouve sur le côté. Le reste, ben, ce sont des pommes de pin, des glands et des marrons que j'ai glanés par-ci par-là. Et ensuite, j'ai collé le tout. Et ça ne revient pas cher du tout. Et après, on fait ce qu'on veut, comme on peut, avec ce qu'on a. À vous de créer maintenant. Merci encore les amis de m'avoir suivi. N'oubliez pas bien sûr de liker, pourquoi pas de vous abonner. Et surtout d'aller revoir toutes les créations que j'ai pu faire tout au long de ces dernières années. Voilà ici une playlist spéciale Noël. Vous trouverez sans doute des idées pour faire vos décorations et vos créations de Noël. On se retrouve... Je ne sais pas si on se retrouvera samedi prochain les amis, parce qu'en fait ce sont les vacances. On verra. Sinon, bah écoutez, on se retrouvera tout bientôt ou peut-être même l'année prochaine. Passez de joyeuses fêtes de fin d'année.